Et salut tout le monde et bienvenue dans le sixième épisode du Let's Play de Spyro 1 version Rinzin Trilogy sur PS4. Attendez, je règle la télé parce que j'ai encore oublié de le faire. Format réel, voilà, merci. Oh, ça va être l'épisode spécial, spécial, il m'arrive que des couilles là. Enfin, je veux dire, il m'arrive que des couilles pour commencer l'enregistrement. Oui, parce que la bonne blague. Je veux dire. Là, pour prévoir cet épisode. Pourquoi je poursuis le voleur? Ça sert à rien, je l'ai déjà tué. Oui, donc. Comme je disais, pour poursuivre le voleur. Pour commencer cet enregistrement de vidéo. Regarde. Je commence à faire les branchements, c'est-à-dire je sors le boîtier de capture, je le branche au PC, ben voilà. Je sors le jeu, je prends ma manette PS4, et puis là j'essaie d'allumer, puis rien. Voilà, j'appuie frénétiquement sur le bouton de la manette, la console s'allumait pas. Eh ben, vous voulez que je vous dise la bonne blague? La batterie de la manette était vide. Mais quand je dis vide, c'est vide au point que vous appuyez sur le bouton, la console s'allume pas, quoi. Carrément. Mais c'est n'importe quoi, faut savoir que... Quand je m'en suis servi la semaine dernière, quand j'ai tourné l'épisode de la semaine dernière, une fois que j'avais fini, comme je savais que j'avais pas mal utilisé la manette, je me suis dit, je vais la charger. C'est-à-dire que j'ai un chargeur, j'ai un petit socle sur lequel on pose les manettes, des socles comme ils s'en fabriquent des tas. Donc, je pose le socle, je veux dire, j'ai bien allumé le chargeur, la manette, il y avait même l'indication jaune-orange là sur la barre de couleur là, qui indiquait que c'était en charge. Et le truc s'est éteint comme si c'était chargé. Et puis j'ai éteint le chargeur et fin de l'histoire. Et là, je veux dire, je suis la semaine suivante, je reprends la manette, la batterie est vide. C'est quoi cette blague? Donc là, en fait, vous imaginez pas comment je joue. Là, je joue, j'ai... Parce que comme mon câble USB, il est pas assez long pour atteindre la PS4 quand je suis devant le PC pour enregistrer. J'ai ma petite batterie externe là, posée sur mes genoux avec le câble dessus pour brancher la manette. D'ailleurs, je sais même pas là si je l'enlève là. Ah, si je l'enlève, il doit avoir assez de batterie parce qu'il dit plus rien. Donc, je vais quand même le rebrancher. On sait jamais. Alors, oui, je suis resté devant ces 4,5 là parce que je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois j'ai voulu charger les 4,5 en une seule ligne et je me suis planté sur le 4ème et j'ai eu un succès derrière. Enfin, un trophée PS4. Et le trophée PS4, il consistait justement à tuer les 4,5 en les chargeant en one shot. Donc ça veut dire qu'en fait le truc m'a donné le trophée alors que je m'étais planté. Donc c'est vraiment génial les bugs pour la peine, je vais essayer de le refaire. Si je me gourais pas de touche. Voilà, pour l'honneur c'est mieux fait. Pour l'honneur cette fois-ci j'ai vraiment réussi. Bon allez vas-y, lève-toi et moque-toi de moi, de toute façon je t'ai déjà tué tout à l'heure. Alors bon, c'est parti, histoire que ça dure plus 30 000 ans l'introduction. On va dans le niveau des chaînes alpines, c'est-à-dire le premier niveau qui se présente à nous dans ce monde. En dehors du circuit que j'ai fait, c'était le circuit quoi? C'était le vol de cristal. Que j'avais fait dans l'épisode précédent parce qu'il me restait un peu de temps. Et j'avais bien réussi d'ailleurs, j'avais fait en one shot. Entièrement en one shot. Là, les chargements sont vraiment longs. Ça c'est vraiment ce qu'ils ont foiré dans ce remake. Mais je dis ça, mais NCN Trilogy pour Crash Bandicoot a le même problème. Bien que pour Crash Bandicoot ils ont fait une petite... Ah oui, c'est ce niveau là. Non, c'est parce que je réfléchissais en fait depuis la semaine dernière, je me souvenais plus sur quel niveau j'allais tomber avec ce nom là en fait. Hop. Voilà, il suffit de te tuer. Alors c'est bizarre, on dirait que ton bateau il m'est passé à travers, mais... En même temps, je dis ça, mais y'a... Aïe. Mais quoi? Mais je l'avais tué, en fait. Mais c'est quoi, ce délire? Oh là, lui, c'est pas dur. Alors, vous voyez qu'à part les gros monstres, là, on a les mêmes ennemis que dans le hub. Ah, la musique est sympathique, rythmée. J'ai failli oublier de prendre tes joyaux, là. Voilà. D'accord, j'ai dû le... Attendez, c'est moi ou il y en a un qui a tué l'autre? Bon, remarque, c'est pratique, ça me donne du boulot en moins. Hein. Ça me fait du travail en moins, je vais pas me plaindre. Hein. Ouais, donc je disais que la musique était... Mais je fais n'importe quoi. Ah, c'est parce que j'essaye de me dépêcher, je sais pas pourquoi, mais...
Oh, Spiro, tu n'as pas peur de ces gigantesques animaux affreux, hein? Bien sûr que non! Oh, parfait, j'en étais sûr. Ouais, toi par contre, t'es complètement trouillard. Alors là, le jeu me propose d'aller vers cette plateforme-là, mais c'est pas ce que je vais faire. Parce que sinon, on va louper des joyaux. Ah, voilà. En fait, faut monter ici, vous voyez, une autre plateforme là-bas. Et un magicien géant. Tiens. Ah, toi, tu te fous toujours de ma gueule, pourtant. Il suffit, comme d'habitude, il suffit de m'éloigner et de charger dans ta direction. Oui, forcément, pendant que Sparks ramasse, va bouffer un papillon, il n'est pas disponible pour ramasser les joyaux. Aïe! Non, mais le pire, c'est que j'ai tué, quoi. Bah, l'autre, par contre, à droite, je l'avais pas vu, j'avoue. J'avoue que je l'avais loupé. Alors ici, on a trois magiciens qui font joujou avec les trois marches. Bah, heureusement, eux, le cycle est régulier, donc j'ai qu'à attendre qu'ils les sortent. Voilà. C'est de l'histoire ancienne, maintenant. Y'a pas de dragon, ici? Bon, d'accord. Voilà, vous voyez, maintenant, à partir d'ici, je peux repartir sur la plateforme qu'on me suggérait au départ. Oh putain, c'est tout juste l'atterrissage. Oh d'accord, là je me suis complètement vautré cette fois. Je veux bien. L'ennui c'est qu'encore une fois j'ai perdu Sparks, donc je dois passer pile poil sur les joyaux. C'est ça qui est chiant. Ouais, je vais prendre tuer le mouton. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Oui, parce qu'en fait dès que vous avez pas Sparks, bah les joyaux, les vies, il faut vraiment que vous passiez pile dessus pour que ça les prend. Sinon bah ça fonctionne plus. Bizarre, cette espèce de voix quand ils ont peur, ça me fait penser à quelque chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Quand ils font je suis con, il a une armure métallique, donc je ne peux pas lui cracher du feu dessus. J'avais encore oublié. Alors là, le dragon qui est là à gauche, on pourra l'avoir seulement après. Pour l'instant. On va libérer ce dragon. Merci de m'avoir libéré. Franchement, les doublages là. Merci de m'avoir libéré. On dirait qu'il est à moitié bourré. Hop. Voilà, c'est un petit peu le boxon. Mais pourquoi tu t'en vas? Alors, faut aller par là d'abord, parce que là, encore une fois, c'est un cul-de-sac, donc autant ramasser tout ce qui peut l'être. Voilà. Là, il faut tuer les deux Gugus, les deux en même temps. Ah, j'ai fait fort, là. Voilà. Ensuite, il faut continuer par là. Ah, attention, là il fait monter une plateforme depuis le vide. Alors là pareil, je vais aller par là, c'est un autre cul-de-sac. Donc autant aller y chercher ce qui nous intéresse. Attention, des feux d'artifice. Ah bah il y en a du joyau là-dedans. Un petit 10 et une vie. Bon ça va, au niveau des vies je monte hein. Même si j'ai fait quelques conneries dans les épisodes précédents. Oh là, ce dragon. Excellent travail, Spiro. Continue comme ça et tu sauras tout ce qu'il y a à savoir du monde des ouvriers magiques. Ah, c'est quand même mieux sans accent russe chelou hein. Je sais pas si vous vous souvenez dans la cinématique avec le premier dragon qu'on libérait en arrivant au hub là. Bienvenue dans le monde des ouvriers magiques. Je l'ai pas oublié cet accent là. Alors
Donc là, on est arrivé au sommet du niveau. Ah oui, c'est par là que je dois passer. Là, là-bas, il me semble qu'il n'y a rien. Ouais, là-bas, c'est pour revenir au début. Voilà. C'est pour boucler vers le début du niveau. Donc ici, si je vais par là, je vais pouvoir aller sur l'ouverture qu'on avait vue tout à l'heure. Encore un dragon à libérer et un voleur. N'oublie pas que ces voleurs bleus ont aussi pris des œufs ailleurs que chez les ouvriers magiques. Pas de problème, je m'occupe d'eux. Bien joué! Bien joué, jeu de mots! Fais gaffe à ces voleurs bleus qui ont volé des œufs ailleurs que dans les. Je m'occupe d'eux! Voilà. Mais comment t'es arrivé là, toi? T'as déjà fait le. Bon, on sait jamais, hein. Des fois qu'on aurait pu tricher. Et il va falloir que je fasse le tout. Alors le but c'est ça, de toute façon, c'est normalement ils courent dans ce sens-là, mais ça m'étonne qu'ils soient déjà sur la plateforme du haut. Ça veut dire que pendant la cinématique du dragon, il a déjà eu le temps de faire le tour. Bah du coup, je ramasse les joyaux avant, parce que je vais pas le poursuivre avant d'être arrivé de l'autre côté. Par contre, vous avez vu, hein, la poursuite, il n'y a pas de garde-fou. Hein. Voilà, il est là. Ah, il manque encore des joyaux. Alors on va essayer de pas trop prendre de risques avec les bords des plateformes quand je suis à l'extérieur. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas essayer de prendre l'intérieur des virages pour essayer de gagner du terrain sur lui. J'ai l'impression qu'il va un peu plus vite que les autres. Il sera enfin décidé de mettre un voleur dur à attraper. Parce que là, je peux pas essayer de lui cracher du feu, je suis trop loin. Oh, je sens que lui, je vais galérer. Allez, essayer de prendre le virage le plus possible. Voilà. Voyez, en fait, en prenant les virages à la corde, ça passe. Vous le rattrapez comme ça et... Alors, il me manque 20 joyaux. Ah bah, je sais où est-ce que j'ai pas encore été les chercher. J'ai pas encore été chercher ceux-là. Oh, c'est une blague. Non, mais c'est une farce. Putain, mais sérieux, maintenant pour le moindre saut faut prendre de l'élan. Non mais c'est quoi ce délire? Je suis sûr et certain qu'à cet endroit je prends le Spyro 1 d'origine. Je suis sûr que je me vautre pas, hein. Regardez, même là c'est encore tout juste. Non. Mais quel crétin. Je pensais que je me... Quoi? Ça boum là-haut? Mais pourquoi tu me donnes un trophée quand je meurs? Non mais c'est une blague. Putain, mais je pensais que je prendrais le dégât, mais je penserais jamais... J'ai pas pensé que ça m'expulserait. Putain, mais c'est une blague. En plus du coup... Les feux d'artifice, ils sont tous revenus. Putain, mais je suis désolé, mais la gestion de planer, elle est super bizarre. J'allais dire, il est où le joyau de ma gueule? Voilà, j'imagine qu'il doit avoir un autre 5 là et un 10 dans l'autre. Ouais, c'est ça, on les voit dessus. Merde, j'ai oublié de prendre de l'élan. Encore ici, ce saut là sans élan, ça passe. Voilà, ce saut là sans élan, il n'y a pas de problème. Ah, mais qu'est-ce que tu fous? Mais putain, mais c'est n'importe quoi. Oui, je sais, on va me dire que je râle, mais... Mais sérieusement, vous avez même pas le temps de réagir, quoi. Enfin, si, il a un peu de temps, quand même. Putain, il fait chier. Eh, non, mais sérieux. Je récupère le joyau, j'utilise l'astuce du menu pour quitter. Pour quitter le niveau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner avant. Voilà. Voilà, je ramasse le joyau. Et merci d'être passé. Voilà, comme ça le niveau est fait, c'est l'important. Oh, je te jure.
Non, mais je veux dire, au début, sur les premiers sauts qui m'ont, sur les premiers sauts où il fallait planer et qui m'ont fait le coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Mais non, là, ça me semble évident. Ça me semble évident qu'il y a des sauts où il faut planer qui sont devenus extra just par rapport à l'origine, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme niveau ensuite? On a celui qui est là-haut, là. Les grottes élevées, allez, c'est parti. Ça a changé de nom, ça. Les grottes élevées, ça s'appelait pas comme ça. Je vais pas m'en souvenir, mais ça s'appelait pas comme ça. Ah, je suis sûr. Les grottes élevées, ça s'appelait pas comme ça, ce niveau. Si c'est bien celui auquel je pense. Face aux grottes élevées, ça me dit rien. Ah, je suis sûr. Putain, pourquoi le chargement est aussi long? Allez, je suis à 17 minutes. Normalement, je devrais pouvoir finir ce niveau. J'allais dire que... Alors, c'est le niveau auquel je pense avec les araignées, là. Alors oui, ces araignées, elles sont... Voilà. Elles sont grosses, donc vous pouvez pas les charger. Et elles sont en métal, donc les cramer, c'est exclu. Eux, par contre, je peux les tuer. Alors, on a des magiciens qui s'affrontent. Hey, j'ai bien le bruit qu'on a entendu quand je l'ai fait tomber dans le vide. Tiens, c'est quoi? C'est des mages du vent, ces trucs? Aïe, mais c'est pas du jeu, ça. Hey, j'ai plus de sparks déjà. Alors, j'allais dire, la tornade suivante, elle attend quoi pour venir? Ok. Là, j'ai fait n'importe quoi. Ok, là j'ai fait n'importe quoi. D'accord, pas de problème. Mais putain, un chargement qui va durer 30 000 ans alors qu'il n'y a rien à charger. Ah, mais je rêve. Enfin, si, à part me remettre les ennemis. Mais bon, c'est pas grave, je vais pouvoir ramasser quelques perles pour regagner une vie. Voilà. Bah bon, là c'est la honte, j'ai déjà perdu 3 vies là. Alors, on va attendre que la tornade passe. Voilà. Alors, j'entends le dragon. Tiens. Fais quelque chose à propos de ces druides verts. Ils veulent déplacer tout ce qu'ils voient. Ouais, des druides verts, des... Non mais des druides verts, des voleurs bleus... Non mais... Vous avez fini de faire une fixette sur leur couleur? On s'en fout! Ah, il y a un joyau là-bas. Alors je pourrais aussi m'occuper d'eux, alors dans quelle direction je vais? Bon, on va aller par là. Je déteste quand il... Mais... Quand il me déclenche les deux en suivant, vous faites pas gaffe. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remonter. Et essayer de se faire les druides verts. Non mais surtout le... Or, surtout en plus associé au vert. Tu me dis les druides verts, ça me fait penser à une pub pour des légumes. Ok. Franchement, la gestion du planage est à chier! Putain! Non, mais j'arrête pas de me taper des morts de merde qui me seraient jamais arrivées! Tiens, crève! Oui, donc je disais, ça me rappelle une pub d'une certaine marque de légumes. Ah bon. Allez, maintenant on va par là. Je sais pas si vous avez foutu avec les distances des sauts, mais il y a un problème quoi. Alors, nous voilà dans une partie intéressante du niveau. Alors, je vais atteindre le dragon là-bas parce qu'il semble que. Va l'expliquer quelle est la particularité de cette partie du niveau.
niveau. Ah, j'aurais pu arriver par là aussi, je vais faire. Ah bah, je suis désolé, bah oui, par là c'est l'accès à la grotte. Idiot. Ajax. Je déteste ces insectes. Quand je serai grand et fort comme toi, je les écrabouillerai tous. En attendant, n'oublie pas que la supercharge te rend invincible. Oui, tout à fait. Tu as raison, Marcel. Non mais Ajax, au sérieux. Eh, hey, c'est les actionnaires des c'est les actionnaires des grandes marques qui ont fait le jeu ou quoi? Alors ici, on va se faire. On va détruire tout ce qui peut l'être. Oula, le jeu aime pas beaucoup hein, d'avoir beaucoup de joyaux affichés. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un léger lag. Hein. Alors ensuite. Alors bon, ces grottes là je peux pas trop y aller, quoique. Si je me mets à bonne. Si je me mets à bonne hauteur, ça peut. Ouais, mais le problème c'est qu'avec la gestion. J'ai presque peur avec la gestion des. Vu que la gestion des distances est vraiment à chier dans ce remake. Alors je peux aller là-bas en face à l'aide de la supercharge que voilà. Alors vous allez me dire du coup je vous ai pas encore parlé de la particularité de cette partie du niveau. C'est pas la supercharge la particularité de ce niveau. Hop, j'ai oublié de sauter. Voici la particularité de cette partie du niveau. Si je me plante, et ben voilà. En fait j'ai oublié de sauter à la fin de la rampe. Enfin je pensais que sans saut ça passerait en fait. Pour être tout à fait honnête, je pensais que sans sauter ça passerait, il sauterait tout seul en fait. Donc en réalité j'ai pas oublié de sauter, j'ai juste pas appuyé en fait. Essaie de combiner la supercharge avec le saut et le vol plané pour explorer toutes les grottes élevées. Oui, on s'en doutait pas. Notre cher Cédric. Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Oui, la référence. Mais alors. Alors, oh, bah, cette fois-ci, je me jette volontairement dans le vide puisque je vais me faire ramener à la supercharge. Alors, la supercharge, je peux l'utiliser pour explorer les différentes grottes élevées comme notre cher dragon vient de nous le dire. Et je peux aussi m'en servir contre les araignées de la grotte. Hop. Non, ça passera pas. Mais attendez, je sais même plus comment je suis censé faire. Et si je faisais tout simplement comme ça. Si j'évitais de me prendre le bord du pont, ça serait bien. Non mais je vais faire que de la merde. Alors, hop, oui là comme ça, ça passe pas non plus. Non mais c'est une blague. Au moins cette fois-ci je perdrai pas de vie, c'est l'avantage. Mais ça passe pas, non mais. Truc de ouf gueudin. Non mais c'est une blague. Mais comment tu veux que je fasse autrement? Voilà. Voilà. J'aime bien, des fois ils vous mettent des plateformes comme ça, mais ça sert à rien d'y aller. Par contre, question, est-ce que depuis celui-là je peux. Oh, c'est faisable. De toute façon, au pire, ici je ne crains pas de tomber dans le vide puisque je me ferai ramener de toute façon. D'accord. Je sens que cet endroit va me plaire. Oui, j'ai oublié un coffre. En tout cas, merci. C'est pas grave, je retournerai le chercher. Mais putain, mais je suis con. Eh, c'est au sort été. Le bon moment pour essayer de l'avoir. Où est-ce qu'il est le coffre qui est là? Voilà. À cet endroit là c'est le moment parfait pour l'avoir. Alors je vais aller vérifier que j'ai pas loupé de. Surtout de. Non à droite c'est juste après. Ici. D'accord, en fait ici il y avait que dalle. Bon bah au moins comme ça je suis sûr d'avoir tout pris. Allez, suicide. 26 minutes. Alors maintenant, il n'y a pas une autre grotte
Parce que là, je suis allé à celle en face, il n'y en a pas une autre à côté. Il me semblait. Ah bah oui, juste là. On va aller faire cette grotte là, et puis après, comme ça, les grottes élevées, ça sera fait. Tu vas me dire que le mouton il avait déjà repop. Voilà. Donc maintenant il faut faire les grottes avec les araignées. Alors vous pouvez tuer les araignées avec la supercharge, mais bon c'est quand même chaud parce que pour faire ça il faut charger et braquer à gauche. Tiens. Alors j'aurais pu continuer mais j'ai volontairement lâché parce que je vais plutôt aller de ce côté-ci. Oui, il y a une araignée. Alors en fait l'araignée, faut savoir que si vous êtes assez rapide, vous pouvez traverser sans que l'araignée n'ait le temps de vous toucher. Je crois qu'il faut aller là en face. Non, c'est pas par ici. C'est pas ici non plus, merde. Aïe. Voilà, c'était tout simplement là. Pourquoi c'est fermé? Tu vas me dire qu'il faut que j'arrive ici en supercharge? Ou au moins il faut juste tuer lui? Ouais voilà, fallait juste tuer le... Mais laisse-moi sauter! Fallait juste tuer le magicien, c'est tout. Voilà, on arrive. What? Ah d'accord, il y en a un autre, ok. Tiens! Beurre! Donc, on arrive, comme j'allais le dire. Cette fée là, voilà, je récupère les joyaux avant. Et cette fée que vous voyez là, bah si je m'approche. Ah Ferret, bisous. Et un bisou qui revigore tellement Spyro que je me fais toucher comme une grosse merde. Tiens. Voilà, en fait j'ai des flammes d'une puissance largement accrue. Ce qui me permet de tuer les araignées en leur crachant du feu dessus, alors que normalement c'est pas possible. Allez, refais-moi le bisou. Refais-moi le bisou de la force. Voilà, je vais essayer de me faire les autres araignées comme ça. Si je me cours pas de chemin, ce serait mieux. J'aurai pas le temps d'atteindre là. Non, j'ai pas le temps. Ah oui, j'ai plus de spark, c'est vrai, merde. Bon alors, l'avantage c'est que quand vous cassez des coffres en les chargeant, le joyau vient automatiquement vers vous. Donc ça c'est pas un problème, mais par contre ceux qui sont au sol, ben, il faut faire attention à... Voilà, bien passer dessus. Le mouton, peut me donner du spark s'il te plaît. Ah bah voilà, j'ai eu un papillon bleu par la même occasion. Les dragons, je les ai tous eus, je crois. Il me manque un œuf. Où est-ce qu'il me manque ça? Il y a un voleur que j'ai pas eu. Mais j'ai aucune idée d'où il est. Bon, je vais déjà aller reprendre un bisou de la force. Pour essayer d'éliminer l'ultime araignée de cette grotte. Ou deux. Je sais pas si c'est une ou deux qui restent. Mais sérieux, s'il y a un deuxième voleur, tu me diras où il est. Hein. Bon, je m'en souviens pas. Hein. Je crois pas que je pourrais l'atteindre. A mon avis, le timer il est trop court sur le... Ouais, bon. Donc c'est pas avec l'histoire du bisou, que je pourrais défoncer les dernières araignées. Donc il me faut la supercharge. Je vais aller la chercher. De toute façon la supercharge, il suffit d'aller tout droit. De toute façon la supercharge, une fois que vous l'avez acquis, tant que vous ne prenez pas un mur, c'est bon, hein, vous la gardez. Hein. Je veux dire, tant que vous gardez le bouton enfoncé et que vous ne prenez pas de mur, elle reste. Hein. Voilà, on suit par là. Ah bah voilà, il restait bien qu'une seule. Arachno, à mon avis, ça. Arachnophobe, à mon avis, bon, il m'a sûrement donné ce trophée parce que j'ai tué toutes les araignées, tiens, justement. Mais sérieux, où est le dernier voleur? De toute façon, je vois qu'il me manque des joyaux encore. Non mais, attendez.
Je suis à 468 sur 500, donc il en manque 32. Donc on dirait presque qu'il y a une petite partie de niveau que j'ai pas visité. Où est-ce que je me suis loupé? Je crois qu'au niveau de la grotte c'est bon. Alors est-ce qu'ici il y aurait une grotte élevée que j'aurais pas vue? Parce que ça, c'est celle où il y a la fin. Celle-là sur le côté droit, j'y suis allé. C'est une ouverture de grotte au-dessus. On va voir ça. Ah non, je peux pas monter plus haut. C'est pas possible. Et ça, c'est là d'où je viens. Merde. Putain, je suis à 32 minutes, mine de rien. La vache, quoi. Donc j'essaye de trouver ce voleur là. Celui-là dans les deux grottes là j'y suis allé. La troisième ici aussi. Là par là en même temps ça sert à rien que j'y retourne. Encore faudrait-il que je puisse remonter ici, ce qui est pas le cas. Attendez, je vais faire le tour par la grotte pour revenir au début du niveau. Sinon, si je trouve pas, je ferai appel à Sparks. Mais... à moins qu'ici, j'aurais pas ramassé des trucs. Bouille. Parce que là, c'est pour aller en direction de la fée. Et question, est-ce que depuis la fée, je pourrais planer jusqu'à... Ah ouais. Allez, fais-moi le bisou. Je pense pas que ça serve à grand-chose, mais... Hop, je peux planer par là. Ça sert tellement à rien. François, à la limite, la super flamme elle était utile surtout pour tuer les araignées, sinon elle servait à rien. Sinon elle sert... une fois que vous avez tué les araignées, elle sert plus à rien votre super flamme. Mais qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce qu'il y aurait un endroit où j'aurais oublié d'aller planer? De toute façon, il me manque carrément un voleur donc. Regardez. Il manque un œuf. Donc là c'est pour atteindre la zone là ici avec la fée. Là on voit la zone avec la fée ici. Ouais par contre fais attention à pas tomber mon vieux. Qu'est-ce que j'ai raté? Bon tant pis. Sparks, ben, tu me suggères de retourner par là. Ouais si je me plante pas en route. Ouais c'est ça. Ouais, on est bien d'accord, de toute façon ici il n'y a rien. C'est pas la peine que je m'amuse à aller sur les deux plateformes là. Alors. Aïe! Comment j'ai fait? Je suis pris une stalactite qui traînait. D'accord. Ok si tu veux, donc cette grotte là c'est pas la bonne. Mais qu'est-ce que tu me suggères? Attendez, qu'est-ce que... J'ai visité ça ou pas? Putain, je vois un joyau là-bas. Oh, mais quel crétin. L'ennui, c'est que... Bon, je vais avoir besoin de la supercharge. Mais bon, c'est bon, je me suis retrouvé. J'ai retrouvé mes petits. Ah, j'avais totalement oublié cette zone. What? Non, mais tu te fous de ma gueule? Mais c'est une blague là. Mais ça peut pas passer. Mais what? Mais je suis censé faire comment? À moins d'aller à droite sur le pont avant. Putain mais c'est encore pire. Non mais c'est une farce. Tu me fais une farce là. C'est quoi cette gestion des... Mais je suis désolé, avec les distances pour planer, il y a un problème. Mais je vois pas comment je peux faire autrement. Comment
tu veux que je fasse autrement? C'est pas possible. Non mais je peux pas. Et en plus, ça serait plus logique de sauter comme ça, puisque la pente se redresse vers le haut. Ou à moins que je saute pas au bon moment. Mais ça s'aborde comment ce truc? Ah d'accord. Ok. En fait le timing pour... Mais putain! Mais c'est une blague là! En fait pour le timing, pour sauter est à chier. Allez, là je vais l'avoir. Non mais c'est n'importe quoi. Et le voleur donc il est là-haut. Oh, je vais adorer ce voleur. Ah, je me souviens de lui. Eh, je pourrais pas. Genre, attendez. Ah, magnifique. Alors celui-là, par contre, pour celui-là, vous pourrez me féliciter. Il est joli. Hein. Ah, j'adore. Vous voyez, j'ai vu le truc avec les hélices, j'ai détruit le premier un peu bêtement, puis après je me suis dit, mais attends, attends, réfléchis deux secondes. Alors franchement, applaudissements là, il faut au moins des applaudissements là. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une espèce de retard au déclenchement. C'est-à-dire que le truc lui est tombé sur la tête, mais au départ ça réagissait pas. Ça a réagi 3 secondes après. Mais franchement, là, le voleur, c'est ramolos, quoi. Ramolos. Ramolos. Putain, je vais encore nous faire du 40 minutes. Vous voyez que les niveaux sont quand même vachement plus longs, maintenant. Hein. Voilà, donc ça y est, nous avons traversé les deux premiers niveaux. Tiens. Cool. Tu vas me dire je suis passé entre les deux. Ouais. Bon, je m'attendais pas à avoir tué les deux, mais je pensais en avoir eu un, quoi. Ouais, faut dire en même temps que vu comment je joue, c'est pas très étonnant. Alors, le vol de cristal, on l'avait fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour le prochain épisode? Aïe. Alors normalement il reste un niveau et le boss. Alors le boss il est là-bas, alors Fanfaron c'est le boss. Et ici on a le dernier niveau, le pic des magiciens, c'est ça hein. Regardez, si je regarde par rapport aux autres, vous voyez à chaque fois le hub, 3 niveaux classiques, le niveau de vol et le niveau de... Regardez, même chose dans le premier. Donc là on a fait le vol, on a fait 2 niveaux classiques et il nous manque, c'est ça. Donc il nous reste... Il nous restera à faire ce niveau-là, le pic des magiciens, et le boss Fanfaron. Je pense que normalement, si je fais pas trop de la merde, ça devrait pouvoir être bouclé dans le prochain épisode. Donc voilà. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là-dessus. Donc, prochain épisode, le pic des... Enfin, les pics, puisqu'il y a un S. Les pics des magiciens. Allez, on s'arrête là-dessus, pendant que Spyro baille. Super, c'est assez encourageant. Allez, je vous dis ciao, et à la prochaine.